Francis Rabhi, 35 ans de savoir-faire et le métier de charcutier traiteur chevillé au corps. On fabrique de A à Z, on se bat pour la vraie charcuterie, mais la vraie charcuterie fabricante. Il ne suffit pas d'ouvrir les boîtes et ou quoi que ce soit, non. Sa retraite, il va enfin pouvoir la prendre après 5 ans à se démener pour que son commerce ne disparaisse pas. Il faut former des apprentis parce qu'on n'a pas assez d'apprentis. Une nouvelle histoire débute pour la boutique dont la réputation n'est plus à faire. Bientôt, elle s'appellera l'Atelier Rabhi et accueillera une dizaine d'apprentis. Derrière tout ça, une association portée par la Chambre de métiers et de l'artisanat. Ce projet est destiné aussi à mettre des futurs repreneurs d'entreprises ou des futurs gérants de sociétés, de grandes surfaces, responsables de rayons. On va les mettre en immersion totale dans le monde de l'entreprise. Donc c'est une entreprise école. Autre acteur de cette aventure, la mairie de Montbron, qui a racheté le bâtiment, le loue à la nouvelle association, un plus pour le commerce rural. Ça évite que ça soit un pas de porte et qui ferme. Donc comme le monde attire le monde, c'est bénéfique pour les gens qui vont y travailler, pour les gens qui vont apprendre, mais c'est bénéfique pour l'ensemble des commerçants. Cette année, la Charente compte 500 apprentis, un chiffre en constante augmentation. 70% des élèves trouvent un emploi à la sortie de leur formation.